Les Calédoniennes, les Calédoniens ont choisi de rester français. Ils l'ont décidé librement. Pour la nation entière, ce choix est une fierté et une reconnaissance. Ce soir, la France est plus belle, car la Nouvelle-Calédonie a décidé d'y rester. Ce dimanche, fidèles à la sagesse de nos aînés, nous franchissons ensemble une nouvelle étape. L'accord de Nouméa arrive à son terme juridique. La promesse du destin commun dont il était porteur n'a jamais été aussi tangible et doit continuer à nous guider. En ce 12 décembre, pour la troisième fois, les Calédoniens ont été appelés à se prononcer sur l'accès à la pleine souveraineté. Après les référendums des 4 novembre 2018 et 4 octobre 2020, les Calédoniens se sont prononcés massivement contre l'accès à la pleine souveraineté et à l'indépendance dans un contexte de forte abstention. Ce soir, en tant que chef de l'État, garant de nos institutions, je prends donc acte solennellement du résultat de ces 3 scrutins. Ils confirment la volonté exprimée par la majorité des Calédoniens de rester dans la République et dans la nation française. Françaises, Français, chers compatriotes de Nouvelle-Calédonie, la France est fière d'être votre patrie. Elle renouvelle ce soir pour vous son engagement à vous protéger, à vous accompagner, quelles que soient les circonstances. Vive la Nouvelle-Calédonie, vive la République et vive la France.